Tout jour, nous entendons des haïtiens bourgeois à importer marchandises en République dominicaine en Haïti. Bon, pour y importer marchandises dans la République dominicaine, vine en Haïti, pour y venir vendre, côté, est-ce que vous connaissez notre travail, côté, vous connaissez nous, jeunes comme diaspora, vous comptez sur diaspora. Ouais, j'ai envie, ou même diaspora qui ne pas comprendre, bon, pour un petit temps pour me balader avant pour comprendre le game, bien, parce que vous ne pas comprendre le game, vous ne pas comprendre le game, là. Mais ceux qui sont là au Libanais, yo font choix pour yo pas investir dans l'économie nationale pays, pour yo pas créer travail, pour yo pas investir dans l'infrastructure, pour yo pas créer de quoi étiner marouiller, c'est misère. Ou doit être dans chômage, ou pas doit vivre dans commun. Pendant 7 ans yo pas voulu investir, yo barré route pour diaspora pas venir investir. Gokoje, milati au Libanais. Pendant 7 ans yo pas voulu venir investir, yo pas décidé d'investir dans l'économie nationale, dans l'économie nationale pays. Les diaspora vle vin investi, yo bloqué pays pour diaspora pa vini. Ça veut dire où est ton groupe moun qui décide pour pays a effondrer? Son groupe moun qui décide faire la guerre à tinèk ma tête green pour nous pas jam moun. Pendant yo bloqué diaspora pour diaspora pa vini investi, yo même yo prend 20% dans capital pa yo y a investi dans République Dominicaine. T'aimes bien? Ouais, ton groupe moun criminel. Bourgeois en Haïti, milati au Libanais, investi 20% dans l'investissement total qui fait en République Dominicaine. Bourgeois, milati au Libanais haïtien, vous représentez 20% dans l'économie République Dominicaine. Et puis, vous crasez, vous faites l'État baisser tarif douanier, pas de frontières pour marchandises qui entrent. Les marchandises entrent, pas de travail. Comment est-ce que vous faites acheter? Comment le peuple va faire acheter? Les marchandises yo sorti en République Dominicaine, comment peuple a pas fait acheter? Yo geto fait calcul, yo connaît peuple a dépend de diaspora. Parce que diaspora yo contribue à 4.4 milliards de dollars chaque année. C'est quantité l'argent ça nous injecte dans l'économie pays d'Haïti. 4.4 milliards de dollars nous la gagne dans l'économie pays d'Haïti. Diaspora. Si monsieur Mila si au Libanais au font calcul, yo dit faut prendre comme ça 4.4 milliards de dollars ça faut yo prendre. Et comment yo prendre? Yo créer chômage en dedans pays. Yo pas investi. Non seulement yo pas investi en dedans pays, yo empêché diaspora venir investir. T'as des causes. Non seulement yo pas investi, yo empêché diaspora venir investir. Yo créer kidnapping, yo créer assassinat, yo implanter insécurité, yo créer crise politique. Depuis que le gouvernement montre qu'il a voulu et stabilité, faire changement, il a déstabilisé, il a crasé. Et puis automatiquement, pour diaspora, pas venir envahir marché, pas venir prendre contrôle de l'économie pays. Milati au Libanais, qu'on est nous représentons force. Milati au Libanais, en dedans pays, qu'on est diaspora, représente un capital économique. Yo connaît nous avons une force économique. Yo connaît nous avons ressources dans nous. Yo connaît collectivement parlant, nous représentons en masse l'argent. Diaspora haïtienne, collectivement parlant, nous représentons plus de 10 milliards de dollars par année. Vous connaissez ça. Mais ça, vous faites, vous bloquez. Vous bloquez de quoi pour pas venir investir. Vous bloquez pour pas mettre tête ensemble pour venir investir dans l'économie. À chaque fois que vous faites une tentative pour venir investir, vous bloquez, vous crasez, vous assassinez. Yo voyez, vin crase business ou. D'ailleurs, mes marchandises, ou pas venir avec l'an dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, y a investi en République Dominicaine. Mais ça fait mal. Pendant ce temps, y a investi en République Dominicaine. Yo pour un dal vacabon, un dal nek qui sans vision. Yo dal nek qui sans vision. Yo mette dans l'État, comme sénateur, comme député, pour craser le pays. Pour craser l'institution, l'État. Vous avez l'impression que c'est le bagage qu'il a. C'est pas un complot, nous, nous prenons là. Nous, même si nous n'avons pas de pas un complot, nous prenons là. Nous, bon, nous prenons un complot, tête chargée. Nous prenons une méthodique avec nous pour nous montrer nous dans quel niveau nous prenons un complot. Ton est boulé. Ouais, m'a dit nous ça à tout. Kem. Si nous n'avons pas de graine pour que j'en comprenne, dans quel degré nous prenons un complot. En vérité, mon Dieu, soit m'a dit nous là. Nous ne pouvons jamais rendre nous compte. Dans quel degré nous prenons complot en dedans pays d'Haïti? Nous ne pouvons aucune idée de complot ça. C'est bien éclairci en tête. En économie, supposé qu'il y ait un investissement qui fait là-dedans.
Depuis qu'il y a investissement, il y a production. Depuis qu'il y a production, il y a création d'emploi. Depuis qu'il y a création d'emploi, il y a un marché. C'est normal. Ou pas qu'à parler de production en dedans pays sans investissement. Ou pas qu'à parler en dedans pays économie si on pas parler d'investissement. Maintenant, là parler d'investissement, qui côté comme ça va sortir pour l'investir en dedans pour là injecter dans l'économie nationale là. Qui côté comme là va sortir? C'est soit l'État investit. Mais pour l'État investi, faut l'État relever taxes. Faut l'État prélever taxes. Pour l'État qui a investi, faut qu'on fonde d'investissement. Ou bien, faut l'État inciter secteur privé, hein? Ok? Pour banque, yo, faciliter prêt pour mon investi. N'est-ce que vous mettez griffe, yo, sous système bancaire? Dans le pays d'Haïti. Milatio Libanais mettez griffe, yo, sous système bancaire dans le pays d'Haïti. Pour yo capable limiter prêt à investissement dans le pays d'Haïti. De quoi pour yo ka contrôler moun ka prêter l'argent pour investir en dedans économie pays. Ça veut dire sous cette nèg ma tête green pour gagner un projet. Ou pas besoin même mettre ça dans maillou pour aller en banque en Haïti pour demander le prêter l'argent pour investir. Non, ou mettre dans un projet qui fiable, qui viable. Yo pito assassino yo prend projet en amont. Deuxième bagage pour considérer. Si yon bloqué le système bancaire pas en faveur, yon paralysé l'État. L'État pas qu'à investir dans l'économie. Banque yon pas voulu investir. Maintenant, c'est capital privé nous besoin. Nous besoin capital privé. Qui est-ce qui a capital dans le pays? C'est Milatio Libanais. En dedans pays, yon même, yon pas voulu investir. Bon, c'est yon qui dit qui pas d'accord pour investir même en dedans pays. Yo préfère aller investir en République Dominicaine. Maintenant, nous t'a dit comme ça que gon alternative. Puisque capital interne, capital national là, capital local là, li pa ka supporter économie. Que ce soit banque, que ce soit l'État, que ce soit Milatio Libanais, nous t'a dit bon rete deux autres capital nous te ka faire appel avec qui c'est capital étranger, ça ou les IDE ou bien diaspora. On prend capital étranger d'abord. On dit t'as des gros blancs, américains, français, canadiens, occidentaux, chinois, ou bien whatever, qui t'a envie d'investir en dedans pays. On dit t'as 60 milliards de dollars reparti. Ok, 60 milliards de dollars IDE, investissement direct à l'étranger. Par exemple, Canada, canadiens, anglais, américains, français, yo décidé pour venir laguer dans l'économie Haïti. 60 milliards de dollars. Comment vous va faire la guerre? Comment vous va faire la guerre? Premier bagage, vous va le dire, vous va le dire, vous besoin de sécurité. Parce que si vous va investir, vous besoin de sécurité pour investissement. Faut besoin de garantie. Bon, comment vous va faire investir alors que yo pays politiquement instable? Comment vous va faire investir non pays un président pas faire mandat? Comment on va faire venir avec 60 milliards de dollars dans injecter nos économies pendant ce temps, il y a un groupe mafia en dedans pays qui là pour craser budget, créer instabilité. Yo préféré prendre l'argent ça à la République Dominicaine. Yo préféré prendre 60 milliards de dollars ça, y a en République Dominicaine côté qui ont l'état qui fort, y a l'état qui présent, y a l'état qui stable, y a l'état qui garantit investissement yo, yo préféré aller en République Dominicaine. Ça va venir en Haïti. Ça veut dire sur le plan interne, la banque haïtienne, système bancaire pas investi dans l'économie. Hein? L'État pas investi dans l'économie. Hein? Ça ou l'investissement public là. L'État pas fait. Bourgeois Milatio Libanais. Yo. Déjà yo même yo bloqué pays. Yo pas vle tine kwa tete green. Vin riche. Yo préféré prendre capital. Yo y a investi en République Dominicaine. Sur le plan externe, investissement direct à l'étranger. Occidentaux, chinois, yo ta vle vin investi en dedans pays. Hein? À la hauteur pour yo vin. Non! Yo pas capable, pour qui raison? Parce que pays a l'état instable. Ok? Toujours gen instabilité politique. Yo toujours créé, écrasé maquette là. Maintenant, posez tête aux questions. Qui ça qui rete? Qui vous vin sauver pays?
Qui capital qui rete? Dim qui ça qui kembe et pays d'Haïti? Et diaspora traité. C'est diaspora traité. Système bancaire en Haïti pas investi dans l'économie nationale. L'État pas investi. C'est corruption, c'est volé qu'a fait. 4,6 milliards de dollars sont passés dans mes nègres pas investi. Tendez-moi. Milati au Libanais cementé. Yo pas investi dans l'économie pays. OK. Nous t'a compté sur idée occidentaux, occidentaux pas prendre l'argent yo pour aller investir en Haïti pendant cet temps Saint-Domingue là. Yo pas faire nous pas faire ça. Yo plutôt aller investir le Saint-Domingue. Maintenant qui ça traité? Et diaspora, il était qui pour venir sauver l'économie pays. C'est celle nous même, diaspora qui fucking dernier coup de quatre là. Et nous dernier coup de quatre là. Et ou pas ouais, ça va changer.